Mesdemoiselles, que puis-je faire pour vous? Eh bien, sans vouloir abuser de votre gentillesse, commencez par nous donner la jolie liasse que vous avez dans les mains. Mais qu'est-ce que vous faites? Que personne ne bouge. Qu'est-ce que vous en dites? C'est assez inattendu, une chose est sûre, c'est chatoyant. J'espère bien que cette tenue éblouissante rappellera au nouveau son pays d'origine. Et d'où il vient, ça m'a échappé? Il arrive du Texas. C'est décidé, je me lance. Quoi? J'ai un truc à te proposer, Billy Bob. Si t'as rien de prévu demain soir, peut-être que ça te dirait de venir danser avec moi. Mais pas autour du feu de camp, hein, dans le style Beverly. Pour sûr, c'est très sympa de ta part de m'inviter, Mandy. Je serai ton cavalier. Génial, je passerai te prendre à 8h. Salut! Comment as-tu osé copier mon look, Mandy? T'es qu'une voleuse d'idées! Navré, Clover, mais j'étais branchée Texas bien avant toi. C'est vrai, d'ailleurs, Mandy a toujours été créative. Elle a pratiquement inventé le strass. Elle innove et on la suit. De toute façon, Billy a manifestement fait son choix entre nous deux. Une voleuse de look, ça se passera pas comme ça. Je vais lui faire avaler ses paillettes. Hein? Excuse-moi. C'est super, il manquait plus que ça. Aujourd'hui, je me sens tout à fait d'humeur. D'humeur à remplir une nouvelle mission d'espionnage ridicule. Merci. Pourquoi on est coincé dans cette bulle électrifiée? Vous n'en avez aucune idée? Je veux rafraîchir la mémoire, les filles. Coucou, c'est nous. Si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais goût. C'est pas nous, on n'a jamais dévalisé une banque. Je suis très peiné, les filles. En vérité, vous m'avez beaucoup déchu. Allez-y. Enfermez-les dans la cellule électromagnétique. Elles y resteront jusqu'à ce que nous les ayons reprogrammées. Comment ça, reprogrammées? Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous allons vous implanter une puce de contrôle neuromagnétique dans le cerveau. Elle supprimera la moindre de vos pulsions agressives et cela de façon définitive. Je regrette, votre sort n'est plus de mon ressort. Oh, ces horribles bottes aimantées sont totalement cyber-répulsives, c'est empoisonnant. Pas autant que la puce neuromagnétique qu'ils veulent nous implanter dans le cerveau, c'est réjouissant. Il faut absolument sortir d'ici et mettre la main sur ces 6000 spies. C'est la seule façon de prouver notre innocence. Bah bonne chance. Une seconde, j'ai une idée. Hé, qu'est-ce que tu fais? Court-circuiter les bottes. On peut marcher normalement. C'est déjà ça, mais on est toujours prisonnière dans cette cellule. Attends, pas pour longtemps. Ces bottes à franges, comme on dit, pourrait faire ça. Elle s'échappe, code 9, alerte, code 9. Attrapez-les, il faut leur implanter ces puces dans le crâne. Tout droit. Vite, récoltez tout ce que vous pouvez. Le moindre gadget pourra nous aider. Du calme, mademoiselle. L'opération est indolore. Tout sera bientôt fini. Attention. Est-ce que c'est si urgent? Comment faire pour sortir d'ici? Voilà la solution. On va s'envoler. À quoi ça sert, tous ces machins? Moi qui arrive même pas à programmer mon magnétoscope. C'est quelque chose! N'importe quoi! Non.
J'arrive pas à croire que Jerry ait voulu transformer mon cerveau en micro-ondes. On ferait mieux d'atterrir. Cet Elijah est trop facile à repérer. Pose-toi à côté de l'entrepôt. Je ne t'ai pas dit à l'intérieur de l'entrepôt, je t'ai dit à côté. Ça sent mauvais ici, j'ai mal au cœur. Pas terrible leur parfum d'ambiance. Bah, quelle odeur! Voilà les coupables. Oh, vous avez vu? Ma barrette s'est transformée en frisbee électronique. Ce n'est pas un frisbee, c'est un mini-satellite. Super, il devrait nous permettre de nous connecter à l'ordinateur central du Whoop. Et par conséquent, de revoir la vidéo de surveillance que Jerry nous a montrée. On est connecté. Attends, reviens en arrière. Regardez le sosie de Clover. Elle a laissé un bout de ma combinaison. Enfin, je veux dire de sa combinaison sur ce cactus. Il y est peut-être encore? Dommage qu'on puisse pas aller faire un tour sur les lieux du hold-up. Il y a peut-être un moyen d'entrer dans la banque incognito. C'est notre seule chance, on va la tenter. Dans le genre discret, c'est plutôt raté. J'ai l'air naturel. Naturel, facile à dire, c'est pas toi qui es déguisé en garçon de café. Tu es déguisé en chauffeur, nuance. Allons-y, il faut retrouver le bout de tissu. Hein? Oh. Bonjour messieurs, bonjour madame, puis-je vous être utile? Oh, c'est très aimable de votre part. Pour tout vous dire, nous sommes venus dans l'intention de visiter votre prestigieux marché financier avant de nous décider et à y investir toute notre fortune en actions. Et elle est colossale. C'est bizarre, il me semble vous connaître. Nous nous sommes déjà rencontrés. Oh, c'est plus qu'improbable, c'est tout à fait impossible. Nous venons à peine d'arriver de Suadivani. Suadivani? Jamais entendu parler. C'est naturel, c'est un tout petit pays, très loin et très très froid. Ouais, je l'ai trouvé, ça y est. Trouvé quoi? Vous aviez perdu quelque chose? Notre chauffeur est terriblement distrait. Il avait égaré la clé de contact de notre limousine. Il est incorrigible. Nous reviendrons pour les placements. Nous devons y aller. Nous sommes attendus au golf. Au revoir. Oh, monsieur, vous avez laissé tomber votre moustache. On s'est fait avoir. Sont elles qui ont dévalisé notre banque. Hey. Ce bout de tissu a la consistance et la couleur de la peau. C'est étrange. Les résultats sont fort nets. Ce lambeau d'étoffe porte des traces d'ADN. Pas étonnant qu'il ait exactement l'apparence de l'épiderme. Qui peut bien porter une combinaison de peau à même la peau, drôle d'idée? On doit affreusement transpirer dans cette matière élastique quand il fait chaud. Mais ce n'est pas un bout de tissu qu'elle a laissé sur l'épine de cactus. C'est un bout de sa peau. Quelle horreur! Il y a quelque chose d'écrit là-dessus. Tu peux agrandir? Replatech Industries? Mais qu'est-ce que ça peut être? Je vais aller voir dans la base de données du Whoop. Il semblerait que ce soit le nom du laboratoire médical qui fabrique cette peau artificielle. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à leur rendre une petite visite. Mais cette fois, c'est moi qui pilote. Ah, pourquoi? J'aurais intérêt à camoufler l'Elite Jet avant d'atterrir sur le toit du laboratoire. Impressionnant! Regardez l'écran radar! Il a détecté un champ de force magnétique! Quoi qu'il en soit, ces oiseaux n'ont pas déclenché l'alarme. Elle ne doit réagir qu'à l'approche d'un corps métallique. Les choses se compliquent! Comment faire pour inspecter ce bâtiment sans se faire repérer? Ça va pas être évident! Pourquoi c'est toujours à moi qu'on confie le sale boulot? Quel spectacle atroce, ça me donne des frissons. À première vue, on dirait une culture d'êtres humains. Ah, remontez-moi, vite, remontez-moi. Pourquoi elle crie? Qu'est-ce qui lui arrive? Tiens, voilà de la compagnie. Il nous attaque. Et elle est toujours suspendue à l'hélico.
avoir des réflexes. On s'en est sorti de justesse. Qui ça, on? Au cas où ce détail sans importance vous aurait échappé, laissez-moi vous rappeler que c'est moi qui ai été transformée en yo-yo humain après avoir été sauvagement agressée. Tiens, c'est quoi ce truc? C'est étrange, on dirait un bout d'ongle. J'ai une intuition, passe-le au scanner pour analyser sa composition. Sa substance est la même que celle du bout de peau qu'on a trouvé. Mais c'est pas tout, attendez, il y a une autre similitude. C'est le même ADN que Clover. Ça, ça m'étonnerait. C'est pas moi qui oserais me balader avec du vernis à ongles couleur écume des mers. J'en aurais honte. Les intrus se sont échappés, chef. Les Spies ont donc réussi à me retrouver. Je les ai sous-estimés. Cela ne se reproduira plus. Réfléchissons. Quel peut être le lien entre l'ADN, l'attaque de la banque et le laboratoire Replatech? J'en sais rien, mais j'espère qu'on va vite le découvrir. Je pourrais pas supporter bien longtemps cette odeur infecte à la seule idée de devoir respirer. Ah! Ils nous ont retrouvés! Rendez-vous, mademoiselle! Vous êtes cernés, vous n'avez aucune chance! Vite, dispersons-nous! Bouclez le périmètre de sécurité, empêchez de s'enfuir! Bizarre, ça va? Très bien, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix, il faut retourner au laboratoire Replatech et découvrir ce qui se passe avant que Jerry ne nous ramollisse le cerveau. Comment on va faire pour entrer dans le bâtiment? Il est mieux gardé qu'un trésor, t'as vu le service de sécurité? Moi, je peux vous y amener, je connais bien les... Je veux dire que je crois avoir repéré une entrée secrète dans la forêt. Bon, d'accord, allons-y, ça vaut le coup d'essayer. Encore faudrait-il pouvoir rejoindre l'île? L'Elite Jet est encerclée par les agents du Whoop, on est coincés. Laissez-moi faire, je vais arranger ça. Elles se sont probablement enfuies. Évacuez nos agents. Mais qu'est-ce que je vois? Où est passé mon jet? Vous croyez que Jerry s'en mettra? Ça a dû lui faire un choc. Ah, t'as vu, Clover? Tu t'es cassé un ongle. C'est dommage, tu t'es fait ça comment? Oh, quand on a atterri dans l'entrepôt, il repoussera. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Je me rappelle avoir vu une sorte d'entrée secrète quelque part par ici. Dis donc, t'as l'œil? Je sais pas comment tu fais pour repérer quoi que ce soit dans cette jungle. Effectivement, Clover, t'avais raison, il y a bien une entrée secrète, ça se confirme. Eh, fais voir, c'est quoi cette couleur? Je croyais que t'oserais jamais mettre du vernis à ongles, écume des mers. T'as pas l'air d'être morte de honte? Pourquoi je serais? C'est ridicule, j'adore l'écume des mers, je l'adore. J'adore le vernis, écume des mers, écume des mers, écume des mers, le vernis, écume des mers. Hé, hey, ça va, du calme, t'énerve pas, moi j'aime beaucoup cette couleur, moi aussi, hein. Mais arrêtez, lâchez-moi tout de suite, l'espèce de... Clone? C'est quoi ça? Mais d'où ils sortent tous ces sosies? Impressionnant, n'est-ce pas? C'est moi qui les ai fabriqués. Et je les ai créés à partir d'un simple échantillon d'ADN prodigieux, non? La ressemblance est frappante, vous ne trouvez pas? Eh ben, quand je pense que Clover a accusé Mandy de lui avoir volé son look, qu'est-ce qu'elle dirait si elle voyait qu'on l'a cloné? Hé, vous là-haut, je crois qu'on se connaît. Je vous ai déjà vu quelque part. Ça me revient, c'est Macker, le perceur de coffre. Cette mission m'a coûté plusieurs mèches, mes cheveux ont mis plus d'un an à repousser. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas sorti indemne non plus de cette chute. Après m'être évadé de prison, j'ai décidé de créer des clones. J'ai pu le faire en utilisant l'ADN de vos cheveux. Et j'ai maintenant le moyen de gâcher votre vie. Vous avez gâché la mienne, ce n'est que justice. La stratégie est très simple. Mon armée de clones dévalisera simultanément la banque centrale de tous les pays du monde. Les hold-up auront lieu exactement au même moment. Et évidemment, c'est vous que l'on accusera. C'est vous qui aurez à en répondre devant les autorités. Bien sûr, et vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Regardez et admirez! À vos avions, les filles! Exécution! «
Désolé de vous fausser compagnie, mais je dois rejoindre ma base de commandement dans les Alpes. Allez-y, enfermez-les. Oh. Clover, c'est bien toi, t'es vivante? C'est bien moi, la vraie Clover, le modèle original, pas une pâle copie comme celle qu'il y a là-haut, vous les avez vues? Oui, il y en a une légion. C'est pourquoi il faut vite sortir d'ici et empêcher ma cœur d'agir. Et comment tu comptes t'évader? Finalement, c'était une bonne idée, ces éperons en pointe de diamant, élégants et utiles. Direction les Alpes, avant qu'il ne soit trop tard. Ma cœur est là. On dirait que cet émetteur lui sert à commander ses clones. Il faut trouver un moyen de le détruire. Et vite, l'opération est lancée. Attention les filles, ça va être à vous de jouer. Tenez-vous prêtes. Mais voyons aussi si vous avez nos talents. Foncez les filles, exécution! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'attaquez-vous pas les banques? Allez-y, allons! Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous avez fait à mes clones, hein? Ah, vous au secours. Lâchez mes cheveux! Mais gardez votre sang-froid, hein. Nous avons réalisé que vous essayiez seulement de prouver votre innocence. Ah, encore heureux que vous l'ayez compris avant de nous avoir lobotomisés, on a vraiment eu de la chance. Je suis sincèrement navré et j'espère que vous accepterez mes plus plates excuses. Quoi? Vos plus plates excuses? Ah, vous serez à la retraite avant qu'on ait fini de vous faire payer la façon dont vous nous avez traités. Non, j'aime pas les... Je vous renouvelle mes excuses. Oh, en plus, c'est froid. Débarrassée de ces clones, il est temps que je m'occupe de Billy Bob et que je dénonce publiquement cette voleuse de Mandy. Voleuse? Tu ne trouves pas que le mot est trop sévère? Trop sévère? C'est la vérité. Mais cette fois, elle n'a aucune chance de me voler ma nouvelle tenue. Je sais pas comment t'annoncer ça, Clover, mais... Oh non! C'est dans ce magazine que je puise mes idées, ça m'était sorti de la tête. Alors je me suis trompée, Mandy n'est pas une voleuse. Elle doit seulement y être abonnée aussi. Je vais devoir lui présenter des excuses. Voleuse de look! Tu as copié ce de... Quoi? Billy Bob? Salut les filles, ça va? Je vous présente ma petite amie, Alpha. Alors, plutôt original, non? Vous sortez ensemble, mais... Billy Bob, j'ai créé cette tenue rien que pour toi. Comment tu la trouves? Honnêtement, je n'ai jamais aimé le côté folklorique du style cow-boy. C'est pour ça que j'ai quitté le Texas. Salut! Tout ça, c'est ta faute! Ta quoi, la mienne? Tu veux dire que c'est la tienne? Si tu ne m'avais pas copié, moi, je n'aurais pas vu la tête en tournée dans l'air!